Je suis ostéopathe. Et il y a un an, je remplaçais un autre trou du cul. Dédicace à tous les boules. Trou du cul. Tu te fous de... Non, non, il n'y a pas de souci. Donc cool. Là, c'est vrai. Moi, j'ai pas de permis et pas la voiture. Donc, la première semaine, je connais. Le GPS me dit t'es droite-gauche. À ce moment-là, qu'il y a une petite trou du cul qui vient vraiment me coller au cul. Et j'étais en mode, bon, j'essaie d'appuyer sur des boutons, il y a aucun trou du cul. La vieille trou du cul commence à m'insulter. Petit con, c'est ta fille et tout. Et je lui fais, ouais, bah c'est bon, tu te calmes 2 minutes. Ça arrive à tout le monde de se tromper. Je fais en sorte d'avoir un petit con, je me casse. La vieille, vénère, elle embraye une marche arrière, mais de bûcheron. On aurait pu croire qu'elle allait décrocher un arbre. En fait, elle a failli en bio familial qui arrive à plâtrer la clé. Donc elle a failli créer un premier accident. J'accélère un peu plus tôt, du coup, j'entre avant elle sur l'autoroute. Et là, je vois un 4x4 barqué en foudre route derrière moi. C'est vraiment la petite roue du cul. Marque en mode Fast and Furious, tu vois. Sauf que la roue du cul arrive, elle commence à se mettre à mon niveau et à me klaxonner. C'est comme ça au volant, je la regardais même pas. J'étais comme ça à la vitre, c'est bon exemple de fait. J'appuie à fond sur la pédale de droite, accélérateur, le moteur, je trace. Et là, t'as la roue du cul qui arrive en mode Fast and Furious, appel de phare. Appel de phare carrément. À l'appel de phare en mode je vais t'enculer. Arrive à mon niveau, donc c'est-à-dire qu'on est tous les deux à 130 côte à côte. Elle baisse. Passager. Là, je lui dis, bon, elle va. Et ça va être un peu drôle. Et elle commence à. Tout ça à 130. Tout ça à 130, en me regardant. Et okay. Moi, la seule chose que j'ai répondu, c'est. Moi, je suis pas en train de me déporter vers le terre-plein central. Elle est morte. On est côte à côte, et en fait, pendant qu'elle me se bouffe, du coup, la barrière. En fait, c'est même légalement, en fait, je pense que ça. Enfin, comment dire. Face à un tribunal, est-ce que c'est ta faute, tu vois? Moi, je le risque également. Trou du cul que tu remplaçais, il était en vacances ou... Ah oui, il s'est barré. Julian, Lohan, l'anecdote est-elle fausse ou vraie? Elle est fausse. Elle est 100% véridique. Quand même vérifier dans le rétro si la trou du cul bougeait encore, donc ça allait. Mais voilà.